Voilà, après un petit souci technique, on va espérer que ça suffise. Nous voilà de retour à Shanghai. Oui, Kawa pressait l'expresso, oui, j'ai pensé aussi, pas mal, oui, pas mal. Pauvre Kato, à peine engagé, ils ont déjà trop ils sont un peu tout match. Sur la chatbox, c'est un match de catch maintenant. Mayana Emiye contre Death Tanta. On a une plongée des coudes. On a Emiye qui a fait un body slam. Je vais commenter le match de catch pendant que je joue à Shadow Wars. Tiens, ça va être génial. Ce qui est malheureux, c'est que visiblement, enfin, on a eu donc le premier donjon, c'était la Tortue Noire, le village. On a été faire la semaine passée, c'était le Dragon Bleu. C'est dommage que le Phénix Rouge, on n'a pas eu un donjon ou quoi, mais bon, comme ça. We'll be right back.
Hein? Alors, est-ce que le petit vieux peut chanter? Oh, quel dommage. J'aurais bien voulu, tiens. You've grown into a beautiful young woman, Quihua. Since I saw you last, the sound of your playing has become so much richer. So what do you think, Zhen? Why is it that the march of time, the endless rising and setting of the sun, has to be so cruel to us old folks? At any rate, Zhen, here I am, back in Shanghai. I intend to clean things up once and for all. The legacy of Huga, who passed on so long ago. Well, perhaps next time. Ça fait du bien aux oreilles. Enfin, pour ceux qui aiment. On est en train de se demander avec mille noms d'instruments, on n'arrive pas à se souvenir.
pas mal celle-là. C'est pas grave, c'est tant que t'as une fois que tu auras mûri avec 2-3 poils au menton et la voix qui aura mûri, ça sera déjà un peu plus intéressant. Qui a passé hier des heures à essayer de configurer mon émulateur pour que les effets de flamme rament moins. On a remarqué que c'était quand même beaucoup mieux. Après, comme je l'avais dit tout à l'heure hors champ, malheureusement on ne peut pas faire de miracle. Il y aura sûrement encore des coups de lag et autres. Mais visiblement c'est un souci de comment le jeu a été codé à la base. Mais c'est déjà beaucoup mieux, donc j'espère que pour vous c'est mieux aussi. En tout cas, merci cher. Bon, voilà, je
faire, même s'il a dit juste avant que ce soit utile, mais... Il y a de quoi mourir, effectivement. Ça, c'est de l'attaque, hein, quand même. Il y a 15 ans, c'était le paternel, maintenant c'est Yuri qui vient sauver Zuzen d'une situation presque similaire. La différence de taille entre Yuri et Ogui est plutôt sympa. C'est vraiment de famille de Rossé Wugui.
Thank you.
vu comme ça, bien sûr, forcément. C'est Clash. On ne raconte que ça. Kawashima joue double casquette entre l'armée et Yuri. Néanmoins, si vous vous souvenez, pendant le film qu'elle a eu un peu avant, elle ne voulait pas rendre Yuri immédiatement. Se préparer, on aura bien besoin. Ça en fait des événements.
si je reste au rang de base à chasse, ça me convient quand même.
pas de game over. Bah. Il y a un coffre caché là.
oui, c'est les grandes préparations. Je vous le cache pas du tout. Est-il Kato? C'est le magasin portable en fait, ce garçon. Ah, voilà ce qu'il faut.
l'ours de Leonardo. Parce que vous en doutez, en fait, on va croiser encore une fois Wugui. Il y a vraiment un homme merde au passage. Et vu qu'il a un effet mort subite, l'ours de Leonardo, donc ça annonce en plus, c'est mignon en plus, annule les effets mort subite. Donc, si on a la présence d'esprit de penseur s'en équiper, son attaque Doom ne sert plus à rien. Ce qui facilite un petit peu le combat contre lui. Oui, cet objet vaut cher, mais non, je ne le vendrai pas. La troisième clé, c'est juste un objet super violent et super pratique. Donc, le reste, je vais faire des combats dans le donjon et puis advienne que pourra. Sauvegarde, mais bon, ça devrait aller. Ah. Ouais, voici le grand Xifa. Et salut Saido! Un petit peu le son du jeu. Si vous m'entendez mieux, tant mieux. Sinon, je vous ferai une coupure de 2-3 secondes, le temps de régler ça. Quoi.
4 personnages vont être utilisés, 2 par 2, ça va pas être triste. J'avais oublié celle-là. Donc en gros, grâce aux grands enfants, pendant les combats, j'ai plus le droit d'utiliser d'objets. Joie. Donc je coupe 2 secondes, le temps de régler le son.